Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie qu'il soit accordé à toute personne qui m'écoute, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, ô Dieu, d'accéder à la compréhension de cette vérité révélée par le Saint-Esprit. Et que cette vérité vienne fragiliser les bases du mensonge longtemps enraciné, éternel dans son système de pensée. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la métanoïa, le changement radical qui s'opère dans le système de pensée. Que ta lumière soit. Pardonne à chacun d'entre nous d'accéder à notre palier de la jouissance de son identité sous le soleil, au nom suprême de Jésus, et révélant par la même éternelle le mandat divin rattaché à la glorieuse éternelle identité que nous portons, celle d'enfant de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, je mets une demande éternelle sur ton trône. Donne-moi, éternel Dieu, le levier de la miséricorde, qu'il soit activé et que la parole prophétée sorte avec toute la splendeur de ses pouvoirs divins pour créer un désastre dans le camp ennemi, affranchir les captifs, éternel, et établir ton règne. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise encore Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Non, ta manière de dire Amen, m'embête, demande-toi bon Amen. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence et que Dieu bénisse ton âme. Le thème du message que j'introduis ce dimanche matin est intitulé « Révèle l'homme nouveau ». Plusieurs croyants, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu vivent très en deçà des standards de vie élevés que les réserve Dieu de par le processus de la rédemption. Et c'est pourquoi beaucoup passent à côté des objectifs élevés de Dieu à leur égard. Et donc, le but de ce message, c'est d'aider chacun d'entre nous vraiment à entrer dans la plénitude des plans de Dieu et surtout de la jouissance de toutes les bénédictions rattachées à la rédemption, révélant ainsi pleinement l'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Avant d'aller ici, je dois vous dire, le message va être séquencé en deux phases. Premièrement, je vais vous donner 5 révélations essentielles et majeures sur l'homme nouveau. 5 révélations essentielles et majeures sur l'homme nouveau, te permettant de saisir ce que c'est vraiment l'homme nouveau. Mais ensuite, j'ai 7 vérité que l'enfer ne veut pas que tu entendes, qui sont donc la suite de cet enseignement. 7 vérités qui feront trembler l'enfer. C'est pour ça qu'il notait la même note. 7 vérités qui feront trembler l'enfer. Quand tu les entendras, l'enfer tremblera. Amen. Donc, cet enseignement est en deux phases. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un conditionnel est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exerçait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais hélas, beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais continuent de vivre leur ancienne vie, subissant ainsi injustement l'héritage du vieil homme, manifeste par une vie d'échec, une vie de traumatisme permanent,
de maladie, de pauvreté, une vie d'improductivité. Bref, né de nouveau, mais toujours privé de la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise après moi, ça ce n'est pas mon partage. Donc ce message a pour but de révéler vraiment qui tu es devenu en Christ, quels sont les avoirs qui sont rattachés à ta nouvelle identité et les responsabilités qui te sont assignées par le ciel. N'oublie pas et n'oublie jamais ceci, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Maintenant, c'est bien que tu saches que tu deviens ce que tu connais. Tu deviens ce que tu connais. En fait, tu ne seras jamais ce que tu ignores. Parce que tu ne peux pas poursuivre ce pour quoi tu n'as pas la connaissance. Et la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc, il est important d'accéder à la connaissance. Une église bénie est une église où la connaissance est distillée. C'est une église bénie. Quand vous avez accès à la connaissance, c'est un trésor. Car l'ignorance donne de façon légitime l'accès à Satan, afin qu'il puisse chambouler avec votre complicité inconsciente votre destinée. Vous donnez un accès à Satan, chamboule avec votre complicité inconsciente, voyez-vous, votre destinée. Parce qu'en étant ignorant, vous cédez des territoires précieux à l'ennemi. La connaissance est donc extrêmement précieuse. C'est pour ça que la Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu as acquis la connaissance. Donc, dans le royaume des cieux, la connaissance est la valeur la plus précieuse, la plus chère. La connaissance. Connaître est donc quelque chose d'extrêmement vital et fondamental. Et donc, il faille que tu arrives à la pleine connaissance de qui tu es vraiment devenu en Christ, afin de te permettre de revêtir l'homme nouveau et de le révéler. Voyez, Colossiens 3, verset 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, dans la connaissance, dans la connaissance. » L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui l'a créé. Donc, dans tous les cas, il faille que tu accèdes à la connaissance de ce qu'est l'homme nouveau pour révéler l'homme nouveau. Tu n'as pas connaissance de qui est l'homme nouveau, tu ne révéleras pas. Car ta vie prendra le reflet de connaissance que tu auras. Je peux même changer reflet par couleur. Les couleurs de ta vie sont déterminées par les couleurs des révélations que Dieu t'accorde. C'est pour ça que toute embellie est précédée par une révélation. Ma vie est embellie parce que j'en ai la révélation. Et il y a des révélations que Satan ne veut pas que tu écoutes, que tu aies accès à elles, parce qu'il sait que l'accès à ces révélations va traumatiser son existence et réduire au néant ces mensonges qui ont prévalu pendant des générations. Il a peur que tu accèdes à cela. Et même le fait de venir à une assemblée ou d'écouter un homme de Dieu peut être sérieusement combattu par l'enfer. Parce que Satan sait. Je me rappelle, un jour j'enseignais au 220 logements à l'époque, il y a 20 ans en arrière, hein, et j'enseignais à une église méthodiste. Et il y a une dame qui est venue écouter le premier jour du séminaire. Quand elle est rentrée, elle a eu une vision et Satan la poursuivait. Satan lui a dit, tu ne mets plus les pieds dans cette église. Si tu repars à ce séminaire, je vais te tuer. Et elle s'est réveillée, mais elle n'était pas morte. Et heureusement qu'elle a eu le courage de revenir, voyez-vous, au culte. Et pendant qu'elle venait devant faire les offrandes, et moi j'avais déjà pris la parole, sa tête s'est repliée à toucher le sol sans qu'elle ne tombe. Elle était secouée par une puissance mystique. Et donc tout de suite, j'ai discerné que Satan était en train de vouloir jouer avec sa destinée. Et je n'ai pas négocié. J'ai demandé à Satan, plus bagage, venez, tu pars. Et Satan est parti, elle est redevenue normale. J'ai dit, donnez-lui le micro. Écoutez-moi bien. La sensibilité quand vous marchez avec Dieu est quelque chose de vital. La sensibilité à la voix de l'Esprit. Connaître le mouvement des fréquences dans l'atmosphère où vous êtes vous permettra d'avoir de l'avance sur l'enfer. Elle a été libérée. Elle s'est assise d'aller écouter le séminaire. C'est pour ça que je ne suis pas content quand quelqu'un tombe dans les vapes alors que j'enseigne.
Parce que c'est verbe ça, ça peut être la fermeture de ses oreilles. Et quand les oreilles sont fermées, Satan sait qu'il y a beaucoup de choses qui va maintenir dans ta vie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes purs à cause de ce que vous entendez. Dans les choses qu'on entend, on a la capacité de changer radicalement notre vie. Radicalement. 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 Prenez le temps individuellement. Ouvrez la Bible. Lisez-la souvent. Prenez le temps. Écoutez des messages loin. Ne soyez pas dans le folklore. Les choses capables de vous pousser à un autre niveau de lumière, à un autre niveau de connaissance. C'est très important. Parce que votre mentalité, votre intelligence doit être renouvelée. C'est vital et urgent. C'est une urgence. C'est une urgence. L'intelligence renouvelée. C'est fatal et, voyez-vous, désolant de voir combien de croyants se privent de la vérité. Pour le folklore de ce monde égaré. C'est terrible. Écoutez-moi bien. Nous devons comprendre la vérité. La première vérité qu'il faut comprendre, vraiment très, très importante, ce n'est pas la révélation numéro un, ça c'est juste la vérité importante, en piédestal, des cinq révélations essentielles qui vont vous aider à comprendre ce que c'est que l'homme nouveau, c'est de savoir comment est-ce que nous avons été créés. Vous ne pouvez pas avoir une méconnaissance de votre être. Vous passez peut-être 25 ans à l'école, et souvent vous allez à l'école pour apprendre qui était Charles de Gaulle, qui était Napoléon Bonaparte, et vous ne connaissez même pas vous-même. C'est ça le vrai problème. Tu es capable de raconter la vie, même le chef de ton village, tu ne connais pas. Mais tu vas raconter la vie du chef d'Angleterre, du roi d'Angleterre, le roi de ceci. Bon, il faut aller, bon, c'est une parenthèse, il faut aller à la connaissance, la vraie connaissance, celle qui va t'aider. Il faut connaître qui tu es. Je vois quand j'observe la vie que beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, lisez la Bible, vous avez regardé la Bible, il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alors, image et ressemblance. Le drame, c'est quoi? C'est que quand tu lis, tu as l'impression, quand tu vois image, la première question qu'il faut te poser, c'est qui a déjà vu l'image de Dieu? Donc, si Dieu dit image, ce que cette imagerie n'est pas une imagerie visible à l'œil humain. C'est une image spirituelle. Ce n'est pas physique. Selon notre ressemblance. Alors, je crée à l'homme et la femme. Je bénis l'homme et la femme. Donc, il y a la première dimension qui est la création. C'est la dimension de la création qui nous donne l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas physique. Dieu n'a pas de corps. Donc, cet homme qui est créé par Dieu, cette femme qui est créée par Dieu, tous sont créés le même jour. J'ai dit quoi? Tous sont créés le même jour. J'ai dit quoi? Tous sont créés le même jour. Comment je sais? Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, cela était très bon. Il n'a pas fait autre chose après. Ça, c'est d'abord un important de comprendre. Ensuite, il choisit de faire passer tous les hommes du ciel vers la terre au travers de deux qui vont être les précurseurs. Il y a donc le premier Adam, qui est le premier homme qui vient sur la terre. Le pécheur, l'homme Adam, qui vient sur la terre. Donc, quand il vient sur la terre, voyez-vous, il vient sur la terre et puis donc, il vit. On connaît l'histoire, ce n'est pas le but de l'enseignement ici. Il commet un péché et il est privé de la gloire de Dieu. Et donc là, étant privé de la gloire de Dieu, il devient un pécheur. La Bible dit, Romains 3, verset 23, tous ont péché. Elle dit tous ont péché. Elle dit en péchant, tous les hommes qui sont nés d'Adam ont hérité du péché parce qu'ils sont nés d'Adam. Maintenant, il y a Adam, un fils qui aussi est dans le péché. Voyez-vous, il est dans le péché. Pourquoi? Parce que, comme dit le dicton, le chien ne fait pas le chat. Donc quand il donne naissance à un fils qui lui ressemble. Sont tous dans le péché. Donc c'est ainsi que tous les hommes de la terre ont été conçus dans le péché. Voyez-vous, à partir de là. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ viendra mourir pour nous à la croix. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus meurt à la croix. Jésus est mort à la croix pour ôter le péché du monde. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors maintenant, nous savons tous, par les enseignements que nous avons ici, que Jésus a été reconnu non coupable par la Cour céleste de justice. Alors, comme dommage et intérêt, il a été reconnu par le tribunal de Dieu. Que bon, eh bien, un, il a été non coupable. De deux, le dommage et intérêt, c'est toutes les personnes de l'univers qui croiraient donc au fait qu'il est mort pour eux. Parce que Jésus a dit, je prends la place du pécheur. Je prends la place du pécheur. Et donc, si quelqu'un
croit en moi, que son péché me soit imputé et que sa justice, ma justice lui soit imputée. De la même manière qu'on a hérité le péché de par notre Père, qui était le premier Adam, qui donne naissance maintenant à tous les autres pécheurs, Jésus se positionne comme étant le dernier Adam pour donner une possibilité à tous ceux qui croient en lui de parvenir à la justice. Alors c'est ainsi qu'ayant entendu parler de l'évangile, mais ayant entendu prêcher à la télévision, il est touché, il est venu à l'église, il vient demander pardon à Dieu, et puis en demandant pardon, Jésus va ôter son vêtement, il va lui ôter le vêtement de péché, il va déshabiller totalement, ôter entièrement, voyez-vous, son vêtement de péché. Et il va lui accorder, alors maintenant, un nouveau vêtement. Et le vêtement qu'il va lui accorder est le vêtement de justice. Et c'est à partir de cet instant qu'on pourra dire « si quelqu'un est en Christ ». Donc, être en Christ, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ. Quand il est en Christ, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Donc, ce n'est plus le pécheur qu'on connaissait avant. Il est totalement détaché de la lignée du pécheur. Il est entré dans la lignée des justes. Voyez-vous, est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus vient devant. Il vient devant ici. Alors, lui, il est derrière. Donc, maintenant, lui qui, jadis, était fils du premier Adam, est devenu fils du dernier Adam. Donc, il est sorti de la lignée. Donc, à part Christ, Dieu a commencé une nouvelle lignée d'hommes qui n'a jamais existé avant. Un nouveau prototype jamais existant. Et donc, toute personne qui croit en lui est connectée à ce type de vie que lui a mené sur terre. Et tous ceux qui n'ont pas cru héritent de la vie qu'Adam a eue dans le jardin d'Éden. Vous voyez la différence? Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc voilà un peu ça, ce qu'il faut comprendre. Il est donc une nouvelle créature. Alors donc, à partir de cet instant, il y a des choses à savoir sur cet homme. D'abord, il faut comprendre ça. Lui là, une fois qu'il a péché, le péché entre dans son sang. Le péché n'est pas l'acte simplement, mais c'est la puissance qui pousse au mal. C'est-à-dire, à l'intérieur de lui, un garçon comme moi, à 9 ans, je me masturbais. Je n'ai pas vu de film. Mais il y a une force à l'intérieur de moi qui m'a mené à poser un acte de masturbation. D'où cela m'est venu? Ça vient du mon sang. Souvent, les enfants révèlent mieux ce que leurs pères ont été. Souvent, les enfants manifestent publiquement ce que leur père vivait en cachette. Car chaque péché d'un père commis est gravé dans son sang et révélé par ses fils. Donc, voyez-vous, la puissance qui pousse au mal. De la même manière qu'on ne peut pas demander à un manguier de produire des avocats, vous n'allez pas demander à un arbre du péché de produire la justice. Donc, si toi-même, à une parenthèse, tu es là et que tu choisis de prendre une fille de cette famille, n'attends pas d'elle qu'elle produise les actes d'ici. Oh, papa, il est gentil, il est ceci. Très bien. Mais qui est son père? Donc, si son père, c'est Adam, je te garantis, dans cette famille-là, le péché est le fondement de base, le dénominateur commun. Vous comprenez donc pourquoi, le jour du mariage, quand vous prenez un croyant et un non-croyant qui vient au mariage, voici exactement le type de mariage. Quand on regarde dans le monde, on ne voit pas. Parce que le corps a été formé. Mais ton corps, ce n'est pas toi. Le corps a été formé après. Le corps est l'habitation de ton être. Donc ton être, ce n'est pas ton corps. Et le drame, c'est que dans cette génération, observez bien, le message nous montrera, le diable s'est focalisé à nous détourner de nous. Pour nous amener à faire plus de mettre plus d'accent sur notre maison. L'apôtre Paul appelle notre corps notre temple, notre demeure terrestre. C'est notre habitation de la terre. C'est pas toi. C'est pour ça que le jour de ta mort, on dépose ton corps au cimetière. En fait, c'est pas toi qui es au cimetière. Non. C'est ton corps qui est au cimetière. Donc, une maison peut avoir une couleur jaune, une couleur rouge, une couleur noire, une couleur blanche, mais ça ne veut pas dire que les habitants sont jaunes, rouges, noirs ou blancs. Ce n'est qu'une couleur de la maison.
Donc, si les hommes l'avaient compris, il n'y aurait pas de racisme, en fait. Parce qu'on est tous même chose. Ce n'est que la couleur de la maison qui change. De la même manière que dans les quartiers, on n'a pas de même couleur de maison. Supportons que dans le monde, il n'y a pas de même couleur de maison. Mais les habitants sont les mêmes. Tout est à l'intérieur. Alléluia. Donc, tu n'es pas ton corps. Vous imaginez, vous épousez un homme qui passe son temps à investir sur la maison, sur la barrière, sur les murs, sur les sites. Il ne vous donne jamais l'argent pour aller à votre coiffure. Il n'y a pas à manger pour les enfants. Alors vous allez supporter un tel homme, en ce moment, vous allez vous énerver. Vous dites, mais attends, c'est quoi? Tout l'argent que tu gagnes là, maison, voiture, maison, tout ça, il n'y a rien à manger. Nous, mais on n'a rien. Même le lit, il n'y a pas de drap. Vous allez vivre avec un tel homme? Mais c'est exactement ce que beaucoup d'entre vous faites. Vous focalisez votre argent sur votre maison, votre maison, votre maison. Celui qui habite dedans pleure, il a faim, n'a pas à manger. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une personne qui s'ignore, est une personne qui vivra traumatisée. Voilà le mariage. Est-ce que vous avez déjà vu un seul jour un moineau épouser un héron? Non. Vous savez, dans le règne spirituel, quand vous avez changé de plumage et que vous n'avez plus les mêmes vêtements, il est impossible pour vous, même si vous êtes toujours des hommes, de vous mettre ensemble. Parce que les plumages ont changé. Les chats n'épousent pas les chiens. Même les lions marchent ensemble. Et c'est pour ça qu'il est important à partir de ce moment de faire attention à sa compagnie. Au somme 1, la compagnie. Quels sont ceux que tu as pour amis? Quels sont ceux qui te côtoient? Quels sont ceux que tu as tout autour? On a trop d'hypocrisie. Si tu portes la vie de Dieu, tu ne peux pas être à l'aise avec une autre famille. On n'a pas dit de ne pas les côtoyer. Mais ami, c'est âme. Quelles sont les personnes qui donnent à ton âme de se sentir bien? Il y a des gens qui sont à l'aise avec les païens. Vous entrez dans ton bureau, après quelqu'un vous dit, ah, je vais à l'église. Tu es étonné des commentaires dans lesquels la personne était engagée. Et vous te dites, je suis un croyant. C'est inacceptable. C'est pourquoi la Bible dit, tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ah non, moi je ne suis pas un chrétien braqué, moi je suis un chrétien libéré. Bon, la libération là, c'est par rapport à quoi? Braqué là, c'est par rapport à quoi? Non, moi je ne suis pas dans les interdits, oh, est-ce qu'on est chrétien, pas aller en boîte de nuit, ça c'est pas un problème. Mais pourquoi c'est boîte de nuit et pas boîte de jour? Alors que la Bible dit, tu es du jour et non de la nuit. Mais comment peux-tu toi-même, étant du jour, aller dans les activités de nuit alors que tu appartiens au jour? La Bible est claire là-dessus. Comment peux-tu être épanoui la nuit alors que c'est la nuit qui donne et sort à la sorcellerie? Et toi, c'est la nuit que tu sors. Mais il y a un problème. Ton âme a un problème. Est-ce que tu n'es pas sauvé? Tu peux être sauvé, mais avoir un problème. Alors c'est pour ça que quand on est né de nouveau, il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Lui-là, c'est lui qui vivait dans le péché. Mentir, voler, convoiter, pornographie, viol. Tout ça, c'est le vieil homme. Mais quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est quelles choses? C'était les choses qui étaient reliées au comportement de l'ancien. Il est mort! Maintenant, il y a un homme nouveau. Cinq vérités essentielles. L'homme nouveau qui est né de nouveau, là, lui, il est de nouveau. Première chose, il ne faut jamais l'oublier. Il est juste. Dis après moi, il est juste. Non, dis-le bien, il est juste. Dis après moi, je suis juste. Vous voyez, révérend? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous pensions que la justice que nous avons vient de nos actes. Alors que la justice est la conséquence d'une imputation. C'est un don de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. La justice est un don. On t'a donné. Il n'y a pas de mérite. Dis après moi, je suis juste. Tu as vu? Toi-même, tu vois que le rendez-vous d'hier, là, tu te remets en question. Mais dis-le, ça pète dans ta bouche. Je vois même les lèvres. Là. Il y a des lèvres quand tu dis juste, tu sens.
la lèvre s'y frappe d'abord de l'autre côté, c'est pas, c'est juste, c'est compliqué. Amen. Donc cette justice a été imputée. Donc tu as la capacité de te tenir dans la présence de Dieu sans aucun complexe d'infériorité ni un sentiment de culpabilité. Regardez entre lui et Dieu. Voyez-vous une différence entre lui et Christ? C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, on reviendra dessus mercredi soir. La Bible n'a pas dit qu'il est ambassadeur de Dieu. Non, il est ambassadeur de Christ et pas de Dieu. De Christ. Parce qu'il est l'extension du ministère de Christ. La continuité de ce que Christ a été, c'est lui qui représente. Doté de tous les mêmes pouvoirs. De dire tous les mêmes pouvoirs. L'un des mensonges les plus sévères de la religion, c'est de croire que Jésus était exceptionnel. Et nous le sommes moins. Ça dit, c'est ce que la religion a réussi le mieux. Jésus était exceptionnel. Oh non, Jésus, il était doté d'esprit sans mesure. Mais est-ce que Dieu a mesuré ton esprit? Non, Dieu n'a, le Saint-Esprit qu'il lui a donné n'est pas rose. Et pour Jésus, il est bleu. C'est le même. Le même esprit. Ah ouais, le même esprit. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grands parce que je pars au Père. Parce qu'il a le même esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc il est doté des mêmes capacités. Sauf que ce qui lui donnera d'opérer à ce niveau est la connaissance de qui il est devenu. C'est pour ça que le premier travail de Christ, du Christ lui-même, était la redécouverte de qui il était dans les Écritures. Donc si les Écritures ont étudié les Écritures pour savoir ce que les Écritures étaient dans la chair, qu'en est-il du charnel, né de nouveau? Tu peux pas t'en sortir sans la Bible. Tu peux pas. Tu dois lire la Bible. Et je vais vous montrer les mensonges de certains concepts religieux. Oh, j'ai soif de Dieu. J'ai soif. Oh, Seigneur. Mon âme te... Hey, il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont pas... Mon âme te poursuit, mon âme te cherche. Tu cherches Dieu où? Il est en toi. Si tu as soif, bois. Comment on peut te mettre l'eau à table et puis tu dis j'ai soif? J'ai soif. Bois! Et la Bible n'a jamais dit soif de la présence, mais soif de la justice. On fera la différence entre la présence et la justice. Ah ouais. Soif de justice, on n'a pas dit soif de présence. Oh Seigneur, ta présence. Oh Seigneur, envoie-nous ta présence. Envoie-nous ta présence. Et on pense tellement être sérieux. Envoie-nous ta présence. Et on pleure. Envoie-nous ta présence. Mais c'est quel genre de croyant on a là? C'est quel genre de croyant? Envoie-nous ta présence. Je suis en toi. J'habite en toi. Et tu me dis, envoie-moi ta présence. Je suis dedans. Et puis quand on veut vraiment monter, c'est trop spirituel. On s'entend en anglais. Send your presence, God. Oh, send it, Lord. Oh, send it, Lord. Et puis elle-même qui chante va vous convaincre que ça vient de son âme. Souvent, elle peut laisser échapper l'âme. Ce n'est pas toujours l'âme. Les comédiens font échapper l'âme. La lame. Send your presence. Parce qu'en même temps, on dit, papa, est-ce qu'il est touché parce que j'ai entendu faire? Send your presence. Send your presence. Oh Lord, send your presence. Amen. Donc, mais en même temps, voyez-vous, en même temps, bien, Philippe, je ne parle pas d'elle, hein. Vous savez, je ne parle pas d'elle. Mais je vais vous dire, on a l'un des groupes les plus extraordinaires. Je ne parle pas d'elle. Mais je vais vous dire qu'on ne se rend pas compte subtilement de comment est-ce qu'on est emporté et détruit par la religion. On est juste, dit je suis juste. Et c'est, la Bible dit de Élie, dans l'ancienne alliance, il était un homme de la même nature que vous. On l'appelait l'Élie juste, a fermé le ciel. Cet homme que tu vois sur la terre a la télécommande du ciel. C'est trop puissant, hein? La télécommande. C'est-à-dire, il est là, il peut paf, et les choses du ciel, paf, à sa parole. Le drame, c'est que, est-ce qu'un jour tu arriveras à la dimension de croire que tu es capable de ça? Est-ce que tu vas arriver à la dimension de croire que tu es capable de ça? Et que tu sais que, ouais, quand tu arrives au village, il n'y a pas de question de trembler de quoi que ce soit. Non, tu bâtis ta maison au village, personne ne pourra t'interdire. Mais ça, on ne va pas dire non. Les gens qui construisent au village, ils meurent toujours avant l'heure. Tu dis, les gars,
je vais vous montrer, je suis une nouvelle création. Les sorciers eux-mêmes vont s'interroger sur leur propre sort. J'arrive au village et personne ne m'empêchera de construire. Tu termines ta maison le jour, avant de célébrer, deux personnes meurent, deux vieux tombent. C'est ça le prototype, c'est de ça qu'on est venu, c'est la nouvelle création. Non, mais ton meilleur amen. Dis encore amen. La prière, il a fermé le ciel. Mais le ciel était fermé pour tout le monde, sauf pour lui-même. Le corbeau est venu mourir. Le trouver là où il était. Vous savez, vous devez attendre, vraiment espérer du fond de votre âme une vie spectaculaire, des miracles rares, une provision qui ne vient pas des sentiers habituels. La nouvelle création ne peut pas s'attendre à vivre l'ancienne vie. Non. Demande, dis encore non, non. Dis encore non. Qui a déjà vu un homme au bord du torrent nourri par le corbeau? C'est pas parce que quelque chose n'a jamais existé que ce n'est pas réservé à toi. Le drame, c'est qu'on veut toujours penser qu'il faille que ça se passe de la même manière qu'avec tout le monde. Non. Non, 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 non. C'est pour ça que Dieu dit, hé, les gars, allons-y. Et il met la mer rouge. Oh Seigneur, mais il n'y a pas de pont. Allons-y. Je vais te montrer. Moi, quand on marche avec moi, c'est pas la même chose que tout le monde. Non, viens, on va. Oh, ils arrivent. T'inquiète pas, allons-y. Le problème, c'est que Dieu veut reformater ton système de pensée. Nous sommes trop en retard. Trop en retard. Trop en retard. Il veut reformater à l'intérieur. Est-ce que vraiment, quand tu te lèves le matin, est-ce que ton cœur bat à la mélodie des attentes, des choses rares que Dieu peut faire? Est-ce que toi-même, tu te dis en toi-même, sûr, comment me surprendras-tu encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire encore d'étonnant? Il n'y a rien qui t'est impossible. Tu dois aller à la dimension d'évacuer de ton système de pensée les réflexions anciennes. Parce que ça, c'était de l'homme ancien. Tu es un homme nouveau. Ça, c'est ton exercice. C'est un exercice personnel. C'est un exercice personnel. Deuxième vérité essentielle. L'homme nouveau est un homme saint. Ne prenez pas vos pierres. Heureusement qu'il n'y a pas de pierre à côté. L'homme nouveau est un homme saint. Dis, je suis saint. Saint. Dis-le encore. Je suis saint. Regardez, Colossiens 1, verset 2. On lit ensemble 1, 2, 3. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Allons-y maintenant, Éphésiens 1, verset 1. 1, 2, 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles qui sont à... Et très bien, voyez-vous, la Bible parle de saints. Saints. Alors, si je vous écris une lettre et que je suis en Belgique, je dirais aux saints qui sont à Abidjan et à mes fils dans la foi, au temple de la foi. Voyez-vous, j'écris aux saints. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tous corrects? Non, mais j'écris aux saints parce que ton état de saint n'a rien à voir avec tes actions, mais avec l'héritage du vêtement de la justice. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors maintenant, si on te dit, ah oui, hey, moi, tu pries, ah oui, vraiment, oh, moi je ne suis qu'un pauvre pécheur. Seigneur, tu sais, je ne vaux rien, je suis nul, je suis un pécheur, je suis aussi. Tu penses que c'est humble, mais c'est insultant devant Dieu. Parce que Dieu dit, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. J'ai fait de toi un juste et tu passes ton temps à dire, je suis un pécheur. Il ne faut pas oublier que être un pécheur, c'est une nature. Ce n'est pas simplement l'acte. Demande encore ton meilleur amen. Est-ce que si votre enfant vole, est-ce que votre enfant devient un chimpanzé? Et si un chimpanzé porte un chapeau et tient un cigare à main et met des lunettes, comme je l'ai vu récemment, est-ce qu'il devient un homme? Je vais vous poser une question. Je pose une question aux sœurs qui viennent me voir pour certaines prières. Est-ce que si vous trouvez un chimpanzé qui vient à l'église, qui s'assoit avec, il est tout sapé en costume et il vient vous demander à Maria, vous allez accepter? Non, je vous pose une question. Vous allez accepter? Que non, le chimpanzé, il est même gentil. À la sortie du culte, il t'attend. Tu vas l'épouser? Pourquoi tu ne vas pas épouser le chimpanzé? Parce que le chimpanzé, ce n'est pas un homme. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu prends quelqu'un qui vient à l'église, qui entre à l'église tout le temps et qui chante et qui danse et qui vient te demander un mariage, mais il n'est pas enfant de Dieu, tu vas l'épouser?
Écoute, c'est la même chose. C'est, non. C'est un peu la même chose que le chimpanzé. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on a porté ça. Si quelqu'un est en Christ, parce que quelqu'un est à l'église, parce que lui-même, il peut bien danser à l'église. Au moment de la louange, il peut se lâcher. T'as la soeur, tu dis, papa, donne-moi un mari comme ça. Il aime Dieu, hein? Il aime Dieu, ce gars. Chaque fois que le pasteur prêche, il s'aime. Souvent, les gens savent que ce sont les appâts. Il s'aime pour toi. C'est une offrande pour ta voix. Il s'aime pour toi. Il s'aime. Je suis sérieux. Je suis pasteur. Je sais ce qui se passe. Il y a des gens qui n'aiment pas s'asseoir à cet arrangé parce qu'ils n'ont pas la bonne vue de la salle. Ils veulent repérer pour guetter. Et ils savent que quand ils viennent devant, ils se mettent à genoux, ils font ça. Que toi-même déjà, tu es vaincu à 75%. Alors que tu as baissé ta garde. Il est trop spirituel, il est trop spirituel. Quand il t'invite, il dit non, son frère. C'est pas possible, son grand. Oh, il aime Dieu, le frère. Oh, papa, quand tu vois, papa, donne le gars là, lui. Non, celui qui vient souvent à l'église, son ventre est un peu gros comme ça, c'est lui, j'aime. Oh, papa, donne-le. Il aime Dieu. Et quand tu pries, ça dit, c'est toi-même qui oriente Dieu. Seigneur, toi qui. Seigneur, tu as dit que tu donnes-nous ce que notre cœur désire. C'est celui que mon cœur désire. Toi, tu ne laisses même pas le choix à Dieu de te demander, est-ce que tu ne veux pas me laisser choisir un peu avec toi? Dis, papa, ça, c'est ce que mon cœur désire. Ouh, oh là là. Et à la sortie du culte, il y a une voiture de location qu'il a mis devant là. C'est tout neuf. Là, alors, c'est. La soeur est finie. Tu vois, elle a raté son talent. Elle est. C'est pas ce qui s'est passé. Elle est emportée. Oh, que Dieu préserve nos sœurs. Que Dieu nous préserve. Amen. Je me suis rendu compte en tant que pasteur combien il est facile de tromper les sœurs à l'église. Ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Et c'est souvent des manquants. Il y a des gens de moins que rien qui vous blaguent. De rien, moins que rien. Il est venu à l'hôtel. Il y a des gens qui ont l'enveloppe ici devant, c'est vide. Hein. Allez demain. Quand quelqu'un vient avec une enveloppe vide devant l'hôtel, vous pensez qu'il est venu pour qui? Il est venu pour la sœur. Il se tient devant l'hôtel. Un jour, tu vas tomber ici et tu vas te lever avec un pied qui est. Il faut continuer le jour. Nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis un saint de Dieu. Encore. Maintenant, suivez-moi. Et ça, c'est choquant. Hein? Ça, c'est une phase très choquante du message. Vous voyez, vous prenez là, et lui, et puis il ment. OK? Quelqu'un peut venir là? Assez à soi. Voilà. Et puis, mettons ça. Là, vous avez impudique. Et puis... Vous avez un voleur. Vous savez, les voleurs, c'est toujours caché. Donc, vous voyez, il est là. Alors maintenant, voyez-vous, lui, là, il se comporte bien, apparemment. Il n'est pas dans les histoires, apparemment. Il a un très bon comportement. Il a un bon comportement. Il a tout pour être un gars correct. Sauf qu'il n'a pas le vêtement. Mais lui, là, le vêtement, c'est, mais il a des problèmes. Le gars ment. Si vous fouillez bien sur son portable, les pages qu'il regarde, là, c'est toujours la pornographie. Mais il est enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a porté le vêtement, mais ce qui était du vieil homme n'est pas passé. Donc, le comportement du vieil homme a été transféré dans l'homme nouveau. Mais il a porté le vêtement de saint, mais il agit comme un pécheur. Je vous pose une question. Est-ce que c'est un pécheur? Non. Parce qu'un enfant qui vole ne devient pas un chimpanzé. Et un saint qui pêche ne devient pas un pécheur. C'est un saint qui a péché. À partir de ce moment, le saint qui a péché, quand il marche, la grâce qu'il transporte, il commence à avoir des portes ouvertes. Reviens. Il a des portes ouvertes, c'est-à-dire toute l'onction qu'il transporte, c'est comme un vase. Mais il y a des trucs qui s'échappent. La grâce s'échappe. La grâce, la Bible dit, démourons-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu aborde. Donc les grâces échappent et s'évacuent de là. Ça commence à s'échapper. Mais voyez-vous, ce qu'il transporte, il perd par des portes qu'il a ouvertes.
Et en ce moment, mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Mais il laisse échapper, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, à partir de cet instant, il y a des péchés quand vous les commettez, votre productivité est ralentie. Votre intelligence est muselée. Votre anticipation n'a plus lieu. Vous n'arrivez plus à voir plus loin. Vous devenez aveugle spirituellement. Donc, vous ne voyez qu'à jour après jour. Jour après jour. Vous n'avez pas une perception des choses à venir. Parce que vous êtes aveuglé. Mais ça ne change pas le fait que vous êtes enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu avec des tâches. Donc vous imaginez la belle robe royale que vous portez. Voyez-vous, dans le monde spirituel. Et puis quand vous avez ça, quand vous voyez, les démons ont l'impression que vous êtes en train de les inviter. Parce que en fait, quand vous commencez à voler, tous les cohortes qui sont rattachées au vol commencent à vous suivre parce que vous êtes en train d'indiquer que vous avez une alliance avec eux. Donc, il y a une poursuite. Alors, tu n'as pas livré le combat de débarrasser de ta robe certaines saletés. Maintenant, la repentance consiste à aller à Dieu. La Bible dit, si un juste a péché, nous avons pour avocat auprès de Dieu la personne de Jésus-Christ, le juste, mais un avocat de défendre ta cause que quand tu vas le voir. Vous dites, voici le problème que j'ai, est-ce que tu peux me défendre? Mais Jésus dit, je suis ton avocat. Si tu as péché, viens pour que je te défende. Maintenant, quand il te défend, il plaide la cause. Attends, d'abord, c'est par le sang, voilà. Il faut montrer aux gens, c'est par le sang. Parce que le sang est là et avec, il a ôté, on verra ça mercredi, il nous a pardonné, fait part de grâce de toutes nos offenses. Mettons d'abord, avant que tout le monde ne va voir, Colossiens 3. Colossiens 2, verset 13. Mettez ce texte, vous n'avez pas prévu ça, mais pour expliquer à quelqu'un qui veut bien comprendre. Pourvu qu'il était mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos... Donc, quand on dit toutes nos offenses, c'est les offenses passées ou les offenses présentes? Ça, toutes les offenses, c'est le passé ou le présent? Non, demandez-moi, est-ce que c'est le passé ou le présent? Les deux. Donc, le futur n'est pas concerné, non. Il a fait quoi, tout, c'est-à-dire présent, passé et futur. Maintenant, écoute-moi bien. Est-ce que si tu déclares, je suis un saint, oh, je suis saint de Dieu, est-ce que ça te donne la permission de vivre comme tu veux? Non, les gens n'ont pas compris. Quand tu déclares, tu es saint, le fait de déclarer, tu es saint, te conditionne dans la sainteté. Mais si tous les jours, tu déclares, je suis un pécheur, sachant que la parole qu'on prononce a un pouvoir, alors le pouvoir relâché te donne de vivre dans le péché. Donc la confession du péché donne pouvoir au péché. Et la confession de la sainteté donne pouvoir à la sainteté. Donc tu déclares, je suis un saint. Je puis tout par Christ. La Bible dit, celui qui est en Christ ne pratique pas le péché. Il ne peut même pas pratiquer le péché parce que la sémence de Dieu est en lui. J'ai la sémence de Dieu en moi. C'est cette sémence qui fait que quand tu mens, tu es mal à l'aise. Il y a des femmes qui mentent et mettent le rouge à lèvres. Sans problème. Quand une femme ment, même le détecteur de mensonge a beaucoup de problèmes. Donc, quand il demande pardon, le sang va maintenant ôter le péché. Voyez-vous, le péché est totalement ôté. Donc, la deuxième vérité essentielle, c'est qu'il est saint. Dis après moi, je suis saint. Je suis saint. Encore. Je suis saint. Qu'importe ce qui arrive, je décide de marcher dans la sainteté, car je suis saint. Dieu a fait de moi le saint de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir me permet de demeurer dans les voies de la sainteté au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Alors vous allez voir quand vous lirez Colossiens 3, qu'en fait le combat de débarrassement de ces faiblesses-là dans la vie du croyant lui sont imputées. Allez, renoncez. Si vous avez su, renoncez au mensonge, renoncez à ceci, renoncez à cela. On n'a pas dit que Dieu vous fasse renoncer. Parce que vous avez le pouvoir de renoncer. Ça vient de toi. Mais le jour où Satan te fait croire que non, tu es comme ça. Quelqu'un m'a dit, c'est mon comme ça qui est là. Donc à partir de ce moment, c'est terminé. Le combat est fini. Tu ne peux plus rien. Je dis après moi, je puis tout par Christ. Je puis tout par Christ. Encore. Une
dernière fois. Donc c'est très important, très important. Je puis tout par Christ. Troisième vérité essentielle. Concernant l'homme nouveau est appelé à vivre par la foi. L'homme nouveau est appelé à vivre par la foi. Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Donc si tu as été justifié, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vives par la foi. On dit après moi, je mène une vie de foi. Encore. C'est pour ça que la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le soin de déclarer qui tu es devenu en Christ. Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham. Père béni en père d'une multitude. Imaginez ses amis. Quand Dieu lui dit, viens dire aux gens que tu t'appelles Abraham. Ce n'est pas Dieu qui est venu le faire appeler Abraham. C'est lui qui a dit aux gens, appelez-moi Abraham. Oh, comment ça rit. Quand il salue ses amis, il tourne le dos. Vraiment, ce gars-là, il est terrible. Hein? Il dit, Abraham, père d'une multitude. Sa femme n'a même pas d'enfant. Hein? Mais le gars, il est devenu fou. Hein? Et les gens, au sérieux, ils disent, vous savez, quand vous opérez par la foi, il y aura toujours une raison pour laquelle les gens auront tendance à croire qu'ils vont se moquer de vous. Parce qu'en fait, vous êtes enceinte de quelque chose qui n'est pas visible. Mais comme je l'ai dit ici par l'Esprit, le futur est en nous. Une femme qui sent bouger son enfant dans le ventre a le droit de choisir son nom. Elle a le droit d'aller faire le trousseau. Elle n'a pas demandé ton avis. Elle sait qu'elle n'a plus de règles. Elle sait qu'il y a quelque chose. Elle peut porter les mêmes robes, mais ce n'est plus la même femme. Elle peut déjà commencer à préparer le trousseau et à préparer la chambre parce qu'elle sait que quelque chose arrive. Si tu veux, tu te moques d'elle, mais elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle sait que quelque chose bouge à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ça la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui t'arrivent sont celles pour lesquelles tu auras cru. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu n'as pas besoin de dire que tu es riche quand tu es déjà riche. Mais quand la grossesse arrive, la richesse est arrivée, appelle la richesse. Appelle-la. On ne marche pas par la vue. Parce que Dieu a fait de toi quatrième vérité essentielle, un ambassadeur. Dis, je suis ambassadeur. Dis encore, je suis un ambassadeur. Tu es amené à défendre les valeurs du royaume. Ambassadeur de Christ. Tu vis sur terre pour exprimer ce que Christ n'a pas achevé comme œuvre. Et la même grâce qui était sur lui, elle descendue sur toi. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. Dis après moi, je le suis. On en dit le bien encore. Une dernière fois. Alléluia. Et la foi, c'est la capacité de refuser de t'identifier au monde. Ah ouais, au monde. Ces derniers temps, je regarde beaucoup ce que nous faisons comme performance sur les réseaux sociaux. Parce que Dieu m'a parlé de ce monde-là. Et je suis en train de mettre en place quelque chose. Et vous savez, tu passes sur Instagram. Après 3 clics, tu trouves une femme serrée. Et puis, elle tourne. Et puis, c'est ton derrière qu'elle met en avant. Et ce ne sont pas des filles vilaines, ce sont des jolies femmes. Certaines d'entre elles ont des postes de responsabilité en société. Elles viennent et puis, challenge, montrer ses fesses. Et toutes les femmes s'en vont derrière, elles montrent leurs fesses. Je me demande, quand une mère normale voit sa fille comme ça, est-ce qu'elle ne pleure pas? Challenge, serrer les fesses. Comment l'avenir d'une femme, elle peut la mettre dans ses fesses? Et le plus grave, c'est qu'on a des sujets de prière terribles aujourd'hui. Pasteur, s'il te plaît, il faut prier pour moi pour que mes fesses grossissent. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne jeûnent pas à cause de ça? Elles ne veulent pas maigrir. Hein, si je maigris, mais comment tu peux percer par derrière? Non, c'est incroyable. Hein? Ton avenir est dans tes fesses. Au point où tu as, il faut que tu ailles faire une chirurgie pour que les fesses augmentent. Quelle misère tu as! Quelle misère! Est-ce que tu penses à l'avenir? Tu as 23 ans, 24 ans, 25 ans, 27 ans, 30 ans. Tu es derrière ces histoires. 40 ans arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Où est-ce que j'ai entendu? Et puis là, on est là, oui. Et tout ce qu'on fait, c'est, il faut absolument... Ben, attends, dis-moi, honnêtement, dis-moi. Si toi, ton but, c'est que les gens voient tes fesses, tu es charnel.
Mais c'est clair et net. Et tu fais partie des personnes pour lesquelles Jésus a demandé de prier tous les jours. Éloigne de moi la tentation. Tu ne peux pas venir à l'église et tu dis mon cœur est pur et tes fesses sont serrées. Ça va embêter, on va dire, ouais, mais est-ce que normalement, la foi, c'est dans le cœur. Mais si ton cœur est pur, c'est le cœur qui commande le corps. C'est pas le corps qui commande le cœur. C'est le cœur qui commande le corps. C'est pas le corps qui commande le cœur. C'est le cœur qui commande le corps. Non, parce que moi, c'est ma femme. J'aime qu'elle soit cintrée comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu aimes qu'elle soit cintrée que ça veut dire que c'est normal. Vous ne voyez-vous même pas que le diable se moque des femmes? Avant, on disait non, c'était les saints. Et puis on a chanté. Et là, les lolos. Alors tout le monde était là. Il faut montrer les saints. Et toutes les femmes. Mais ce qui est embêtant, c'est que tu vois une tantie de cette tantie. Elle coupe comme ça et monte. Même les saints disent fais-moi, c'est fatigué. C'est bon. C'est, vous savez, il y a quand même. Vraiment, quand même. Ah non! Non! Attendez. Sérieux. Mais vous savez, j'ai réfléchi beaucoup. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu, quand une femme accouche, son corps se détériore. Dieu est tellement intelligent qu'il a voulu dire aux femmes à un certain moment, quand tu es jeune fille, là, encore tu peux blaguer avec ça. Mais dès que tu donnes un enfant, je veux que tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose et que tu commences à sortir un peu, à te refocaliser sur quelque chose qui n'a rien de charnel. Et que tu passes à l'avenir de tes enfants. Tu es femme, tu ne sais pas préparer. Tu es femme, tu ne sais même pas comment suivre tes enfants dans l'éducation de leur cours. Et puis tu dis, tu es toujours là, vous rouge à lèvres, ongles, mèches, fesses. Ça, tu vas aller où avec ça? Nulle part. Et toi, tu es une femme comme ça. Tu es toi-même. La Bible dit, celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Toutes les femmes qu'on épouse, ce n'est pas le bonheur. Il y a des femmes de malheur. Il y a des maris de destruction de destinée. Il faut faire attention. Allez dire aux femmes, allez voir les femmes, combien pleurent et regrettent. Elles ont gardé la bague parce que c'est la seule récompense qu'elles ont. De faire semblant devant leur copine d'être heureuse. Mais elles pleurent toutes les nuits. Et il est malade. Pourquoi n'est pas venu à l'église? Il est fatigué. Il n'est pas fatigué, il n'était pas là. Il n'est même pas à la maison. Il faut faire attention. Le drame, c'est quoi? Comment est-ce qu'il t'a connu? Par tes fesses? Si un homme t'a connu par tes fesses, il te laissera derrière. Je te reprends. Si un homme t'a connu par tes fesses, il te laissera derrière. On ne pousse pas les fesses, on pousse la face. On pousse la face. Une femme qui a quelque chose à apporter, à contribuer, à donner, qui a une aide. La femme a été conçue pour aider. J'ai entendu une soeur me dire, pasteur, mais la femme est un objet de plaisir pour son mari. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. La femme n'est pas un objet de plaisir pour son mari. La femme est une aide. De temps en temps, l'homme peut prendre plaisir du corps de sa femme et la femme du corps de son mari, mais c'est pas ça le mariage. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on est ensemble. Sortons du modèle charnel et allons plus loin que ça. C'est incroyable, frère. C'est juste incroyable. Je prie de tout mon cœur que Dieu vous préserve de cette honte qui est en train de toucher la jeune féminine. Je vous aime trop. Il aime trop les femmes pour qu'on joue avec ta destinée. Une femme à qui on a confié la mission de la résurrection, c'est toi qui vas te balader. Un jour, un de mes amis me raconte une histoire authentique. Il était dans son hôtel et puis il est là et puis une servante de Dieu ici à Abidjan vient le voir à l'hôtel. Et puis elle vient, il me dit, mon frère, façon la dame là, il était cintré. Elle l'a attaché. C'est fait, c'est. Elle dit, le genre de où tu ne peux pas marcher, tout était attaché. Il me dit, mon frère, je suis descendu, j'ai dit, allons causer en bas. Parce qu'il y a aussi des gens, s'ils ont fait 2 jours sans avoir des rapports sexuels, ils sont en danger. C'est ton problème, tu dois neutraliser ton corps. Tu dois neutraliser ton corps. Tu n'es pas un homme charnel. Un homme spirituel au-dessus du sexe. Comment tu peux suivre? Et puis, ta femme te traîne au lit comme un enfant. Elle tourne le dos. Pardon, ma chérie. Tu te...
mes soeurs, si je mens, dites-moi la vérité. Quand un homme fait ça, vous-même au fond de vous, vous dites, regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Vrai ou faux? Non, dites-moi la vérité, c'est vrai ou faux? Regardez-moi celui-là. Après, il va venir crier ici. Regardez-moi celui-là. Il va venir crier ici. Il va venir crier sur moi. Souvent, mais elle te dit, c'est pas toi. Tu criais sur mon nom. Crie toujours. C'est pas tu criais le matin. Crie toujours maintenant. Pardon, 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 pardon. Alléluia. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai dit. Mes frères, j'ai dit la vérité. Vous devez, votre leadership là, si la femme se tourne, tournez-vous. Serrez les dents, tournez-vous et dormez. Vous n'allez pas mourir. Tournez-vous et dormez. 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 Si vous ne pouvez pas dormir, parlez à l'arrière. Racontez. Château que blanc câblé. Sautez. La Bible dit celui qui parle à l'arrière s'édifie lui-même. Chatahé de Roboko, chatahé de Ramahoda, Rabakatata, hé de Robobo. Aïe, aïe, aïe. Et puis tu sors de la chambre. Tu vas parler à l'arrière dehors. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Et dans la bacose. Et dans la bacose. Et dans la bacose. Et dans la bacose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien, on est dit, je suis spirituel. Encore une dernière fois. C'est très important la spiritualité. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. C'est important. Cinquième vérité essentielle. L'homme nouveau est la résultante des accords souverains initiés par Dieu et conclus avec Abraham. La résultante des accords souverains. Oh mon Père, mon Dieu, ouvre l'intelligence de quelqu'un. La résultante des accords souverains. Ici, il n'y a pas de place pour les... C'est-à-dire, si tu n'es pas, que tu ne connais pas, il faut prier que Dieu te donne de connaître. Je dis accord souverain. Je parle de pacte, de contrat conclu entre Dieu avec Abraham. Et la résultante de l'homme nouveau, c'est ça. L'accord conclu, un pacte. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse 2, verset... Genèse 22, plutôt verset 16. Allons-y. Ce que Dieu a dit à Abraham, Genèse 22. Je le jure par moi-même. Qui a juré? Qui a juré? Et qu'est-ce qu'il a dit? Parole éternelle, parce que tu as fait cela. Parce que toi, Abraham, tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils en unique. Vous savez, Dieu nous aime tellement que c'est pour ça que quand on s'approche de lui, il nous a donné et Abraham et Jésus comme référent. Parce qu'il sait que si c'était pour se baser sur toi, ce que tu as fait, il y a des choses que tu n'auras jamais. Mais il dit, parce que toi, tu as fait cela. Que toi, tu n'as pas refusé ton fils en unique. Regardons la suite, verset 17. Je te bénirai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles qui sont au bord de la mer, les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'elle a obéi, parce que tu as obéi à ma voix. Donc Dieu dit, la postérité, les nations sont bénies en Abraham. Dis après moi, je suis béni en Abraham. Non, déclare-le encore une dernière fois. C'est pourquoi la personne de référence pour jouir de la terre s'appelle Abraham. Que Dieu te donne de comprendre ça. Pour jouir de la terre, il faut être fils d'Abraham. Pour entrer au ciel, il faut être fils de Dieu. C'est pour ça qu'on a une double identité. Il y a des accords qui ont été conclus. Et c'est pourquoi, vous voyez, Jésus a dit, je crois dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Et les portes, ce jeu des morts, ne vont pas triompher contre elle. Quand il dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Regardez, les portes, ce jeu des morts. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Quand il dit, les portes, ce jeu des morts, ne vont pas prévaloir contre elle. Ça vous rappelle quoi, ma soeur? La promesse qui est faite à qui? Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Ta postérité possédera les portes de terre. Et Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle.
En d'autres termes, aucune puissance ennemie ne pourra prévaloir sur la nouvelle création. Ah non, non, non. Ne rate pas le message de dimanche, de mercredi. Pas du tout. Impossible. Impossible. Ne va pas prévaloir contre elle. C'est très puissant. J'ai après moi, Satan n'a pas avantage sur moi. Déclare-le encore. Une dernière fois. Je bâtirai mon église. Et vous savez, Jésus m'a dit, pasteur Jean-Va, écoute bien, que l'église aujourd'hui n'est pas l'église qu'il voulait bâtir. L'église aujourd'hui, telle que nous vivons l'église, c'est pas comme ça que Jésus a construit l'église. Il n'a pas conçu l'église comme les gens qui allaient venir dans un bâtiment, ils vont s'assembler, ils vont lever les mains, ils vont parler là, gloire à Jésus, ils vont se coucher par terre, ils vont pleurer. Ce n'est pas ça l'église. C'est pour ça qu'il a utilisé église. Église de nomo grec, ecclésia, qui veut dire parlement, assemblée. Donc, l'église n'est pas un mot spirituel qu'on a pris au ciel. C'est un mot qui existait dans la société grecque et qui parlait d'un gouverneur, d'une assemblée, comme l'Assemblée nationale, qui régentait la vie de la société. Dans les discussions, les décisions de société étaient discutées en assemblée. Et donc, c'est ce que l'Assemblée arrêtait, qui prévalait sur terre, dans la société où ils étaient. Mais il dit, OK, vous faites ça, mais moi, je vais vous apporter mon modèle. Dis après moi, mon modèle. Le modèle divin. Je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand Jésus a parlé de ça, il n'était pas en train d'imaginer. Vous dites, on est là, on est à l'église, on est puissant. Regardez un pays comme la France. Vous savez, moi j'ai un problème avec l'église aujourd'hui. On a la prophétie seulement sur Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Congo, Tchad. Pourquoi on ne prophétise pas en France? L'esprit de la prophétie ne marche pas en France. Ça ne marche pas en Suède. Avec les gens déclarés publiquement dans certains de ces pays, non seulement satanistes, mais homo. Ils sont dans tout ce qu'il y a de contraire à la vérité. Et les pays se développent économiquement. Alors, ça fait, c'est juste incroyable. Je bâtirai mon église. Ça dit que l'église doit apporter dans la société, voyez-vous, de la saveur. Quand Dieu a pensé l'Église, il a cru que, vous voyez, les gens qui nous gouvernent là, vous savez que certains d'entre eux sont passés généralement dans nos églises quand ils étaient jeunes. On a mis en eux un rêve. Quand ils sont rentrés à l'Église, l'Église a voulu tuer le rêve, ils ont fui l'Église. Il y a plein de gens qui sont devenus des grands footballeurs qui ne pouvaient plus venir à l'Église parce que le pasteur prêchait contre le football. Il y a beaucoup qui sont entrés dans la politique, sont allés ailleurs parce qu'on a dit la politique c'est du diable. Il y a beaucoup qui ont fui les églises parce qu'on a dit un homme d'affaires, tu ne peux pas réussir en affaires si tu fais. Attends, non, ils sont partis. Alors que Dieu n'a pas pensé comme ça. Dieu a pensé qu'il prenait de prototypes et qu'il l'infusait dans tous les secteurs de la société et qu'eux commençaient à montrer aux autres le standard d'excellence et la manière de faire. Parce que le monde est éclairé, est enténébré. Donc, il voulait éclairer le monde avec son église. Et nous, on a tiré le monde, les gens en disant, sortez du monde, venez à l'église. Et puis bon, attendons le Seigneur, le retour du Seigneur. Comme si Jésus t'a sauvé pour aller au ciel. Non, il ne t'a pas sauvé seulement pour le ciel. Il t'a sauvé pour que ta vie apporte à la société une saveur. Quelqu'un dit après moi, saveur. Non, dis-le bien encore, saveur. C'est pourquoi il est important que nous invasions, que nous entrions dans tous les secteurs. Nous envahissons les secteurs. C'est pas normal que tu sois peut-être magistrat et tu es dans la corruption comme les autres magistrats. C'est pas normal. Que tu sois un homme d'affaires et tu es dans les micmacs. Non, Dieu attendait de toi que tu fasses des choses différemment. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu dis, bon, fais, on va faire. Fais, on va faire quoi? Toi aussi, tu fais ça. Et tu viens à l'église. Le pasteur, il ne connaît pas. Tes enveloppes sont toujours lourdes. Il t'a mis à devant. Mais toi-même, fuis le devant. Comment vous voulez qu'on mette la caméra à l'église et puis on te voit devant tout le temps? Mais c'est toi qui essayes, dans le bureau, de ton bureau, de violer la forme des autres. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Tu es devant. Et puis tu viens faire les annonces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis c'est dimanche pas comme les autres. On a invité le frère. Tu as calé son dossier.
Demande d'abord, sinon je ne signe pas. Tu assises sur son dossier. Il vient à l'église, te trouve devant en train de faire les annonces. Toi-même. Trouve une raison pour ne pas être devant. Trouve une raison, ce n'est pas normal. Alors tout le monde vient à l'église et tout le monde fait du cinéma à l'église, pour juste l'église, la vie à l'église. Voilà ce que l'église est devenue. Et c'est hypocrite. C'est pour ça que je me suis toujours fait des gens. Pasteur, oh non, je t'assure, on va mourir. Le jour de ta mort, la gens dans ta tombe. Il y a des gens qui te disent ça. Le jour de ta tombe, pasteur, on meurt ensemble. Je t'accompagne. Yes. Tu regardes comme ça, je dis. Il y a des gens qui ont la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut faire attention. On a beaucoup d'hypocrites. Mais c'est pour ça qu'il faut construire la loyauté. Il faut construire la loyauté. Le nouvel homme n'est pas un traître. Le nouvel homme, c'est la loyauté. Il faut être loyal. Loyal. Sachant faire du bien. Quand les gens vous font du bien, rendez le bien. On ne rend pas le bien par le mal. Ça vous tombe dessus. Soyons droits. Soyons justes. On est la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table. C'est pourquoi j'ai du respect pour ceux qui impactent l'environnement. Ce n'est pas le fait de venir là à l'église et puis non, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Quand tu sors d'ici, je prie, ma main levée vers le ciel. Je décrète, déclare, ta vie, que tu ne resteras plus sous la table. Amen. Mais dans le couloir de ton appel, tu as le lampadaire qui éclaire. Amen. Tu montres l'exemple dans la société. Tu fais les choses différemment. Et je déclare sur ta vie des vagues de faveur qui te portent vers le rivage de ta destinée. Au nom suprême de Jésus, donne-moi trois bons amen. 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 Que cela soit ton partage. Que cela soit ton héritage. Sois indifférent. Vous savez, c'est choquant pour moi, cette manipulation criarde qu'on met sur le peuple. Manipulation incroyable. Et ça nous tire en arrière. Ça mène nos continents dans la régression. Ah, Dieu a montré, il va frapper ici. Dieu a montré, il va faire ci. Dieu a montré, il va faire ça. Restons calmes. Travaillons. Les Indiens, ils ne sont pas des pêcheurs. Les Indiens ne pêchent pas. Les Chinois, ils ne sont pas des pêcheurs. Les pays se développent. Mais nous, on a des églises à tous les coins de rue. Mais qui se cassent, qui se reconstruisent, qui se cassent, ils vont là-bas, gauche, droite, partout. Tout ça là, qu'est-ce qu'on apporte à la société? Rien. Il dit, je bâtirai mon église. Ce n'était pas le but d'avoir des assemblées simplement. C'était avoir des personnes de référence qui allaient éclairer la société. C'est ça. Et c'est pourquoi je vous dis toujours ici à l'église, Dieu t'a béni, il ne t'a jamais béni pour que tout ton argent vienne à l'église. Un homme et une femme qui apportent tout son argent à l'église désobéit à Dieu. Il faut t'occuper de ta famille, de tes enfants, de ton village. Il faut que tu apportes quelque chose à la société, avec tes ressources. Que tu fasses quelque chose de bien. On doit quand même montrer un modèle. Vous êtes leader. Quel est votre exemple? Quel est votre modèle? Et j'ai vu des gens, deux enfants de Dieu, trois enfants de Dieu, ils se mettent ensemble et ils causent des femmes. Ensemble. Ah, t'as vu la gauche, là, t'as fait ça. Vous êtes des croyants. C'est incroyable, hein? Alors, je sais pas, on m'a envoyé un message. Mais, vous savez, moi, je te donne mon numéro. Tu peux, quelqu'un, tu y as pour envoyer n'importe quoi. Quelqu'un. Généralement, la sémence pousse là où la terre est fertile. Pour que la terre soit fertile. Soit des personnes qui aient la consistance, aient du poids, pesées, soit pas légères ou légers. Hey, on m'a invité. Comme tu m'as compris au restaurant. Qu'est-ce qui est dans ton ventre? C'est quoi ce problème? Sois concentré. Concentre-toi sur ta destinée. Pense à ton devenir. Comment tu vas réussir ta vie en allant à tous les rendez-vous à gauche, à droite? C'est quoi ce problème? Construis-toi sérieusement. C'est une séduction que de penser qu'il faut que tu plaises à tout le monde. C'est une grande séduction de penser que tu plaises à tout le monde. Et tu es tellement obnubilé par ça que quand tu te maries, mais tu ne veux plus plaire à ton mari. Tu veux toujours le regard des autres. Le gars t'a épousé, plaît à ton homme. Après, on dit, je suis saint. Comment tu fais saint? Et puis, tu ne sais pas, ton mari même, il te regarde, il dit, hé, ma femme, tu continues dedans. Hé, ma femme, plaît à ton mari. Ou bien,
J'épouse une femme, il faut qu'elle pleure toutes les nuits. Et tu es un enfant de Dieu. Et tu es content. C'est pas normal. Il faut quand même que tu aies le cœur de faire du bien à quelqu'un. Que quelqu'un sourie à cause de ta présence. T'as dit, ta femme est chez elle, tes enfants. Il dit, oh, vraiment, notre Père, quelle grâce nous avons. Ta vie fait abonder à l'action de grâce. Tellement tu es bien que les gens qui t'entourent sont heureux de t'avoir. Tu dois pas être un martyr. Quand je vais dire quoi? Un tyran, pas un martyr, un tyran. Un tyran sur la vie des gens. Quelqu'un dit, c'est pas mon partage. Bien vivre, c'est notre partage. Nous devons dégager la vie. Dis, je dégage la vie. Non, dégage, dis, je dégage la vie. Dis, je contamine la vie. Dis, j'influence avec la vie. Dans le nom suprême de Jésus. Et en certain moment, je termine avec, frères et sœurs, ça peut demander de se réinventer. Le drame, c'est que souvent, nous sommes tellement orgueilleux par nos petits succès que ça nous prive d'accéder à ce que le ciel nous réserve. Hier, j'ai appelé certaines personnes et je dis, écoutez, frère, écoute, personne clé, je sors du cimetière. Mon demandé, je suis parti à l'enterrement de ta grand-mère. J'ai dit non. Mais qui est décédé de tuer ton cimetière? Tu ne nous as pas dit qu'il y avait eu de... J'ai dit, je viens d'enterrer mes méthodes du passé. Je viens d'enterrer. Je n'ai pas envie de passer toute ma vie à continuer à faire les mêmes choses. Et puis l'année prochaine, il y a Isha, il y a ci, après ça, il y a concert, après concert, il y a Kabot. Je ne veux pas mourir dans un cercle pareil. Ah non, je ne peux pas mourir dedans. Non, ça a déjà réussi, il faut quelque chose de plus grand. Je ne peux pas rester là. Non, je ne veux pas vieillir vite. Je veux travailler. Je suis insatisfait, je veux me réinventer. J'ai dit, bon, l'année prochaine, je mets une croix, je demande, Seigneur, est-ce qu'on continue ou pas? Il ne faut pas t'arrêter aux choses qui ont marché, il faut continuer. Il y a plus grand devant. Je veux aller plus loin. Oh, mais pasteur, toi, tu as déjà réussi. Ça, c'est, tu es un séducteur. Ah non, tu me trompes. Tu as dit, ah, non, toi, tu me trompes. C'est à l'intérieur. Il y a des choses encore à sortir. Il y a des choses à faire. Je dois les faire. J'ai crié à Dieu, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, montre-moi comment faire pour y arriver. Je n'arrive pas. Je suis diminué, je n'ai plus de force. Comment faire? Aide-moi. Il y a trop de travail. La tête chauffe. Comment je fais? Et puis j'entends le Saint-Esprit qui me pousse à faire une prière et demande une journée de 27 heures. Que je prenne 3 heures d'avance sur un homme normal. Et Dieu a commencé à me montrer, j'ai demandé à Dieu, montre-moi comment je me réorganise. Je veux être productif. Je ne veux pas dormir et puis toute une journée est passée et puis j'étais devant la télé. Comment c'est pas possible? C'est pas, je parle de vous, hein, pas moi. Devant la télé. Ah non, devant la télé. Et puis tu regardes Marima. C'est quoi les films d'aujourd'hui? C'est quoi les films? Parler de Marima, c'est comme si elle parlait. C'est quoi les films d'aujourd'hui? Nollywood. Quoi? Novelas TV. Tu regardes Novelas. Tu sors toi seul devant Novelas. La journée est terminée. Et vous regardez bien. Novelas, on met ça aux heures où ton mari est supposé venir. Hé, hey, Aïcha, faut donner à manger à tonton, à ton tonton. C'est ton mari qui dit à ton tonton. Tu as jeûné pour l'avoir. Maintenant, tu es devant Novelas. Faut donner à manger à ton tonton. Ton mari est venu. Chérie, t'es où? Laisse-moi terminer d'abord. Je regarde. Et puis après, tu pleures seul. On a donné une fleur. Ton mari est venu, il avait son sac. Il n'y a pas de fleurs. Tu pleures. Il est fâché. Tu es fâché. C'est dans le film qu'on a donné fleurs. Ce n'est pas dans la réalité. Que le Seigneur bénisse ton âme. Que le Seigneur comble ta vie. Il faut une révélation. Dis après moi, révélation. Encore. Que le Seigneur nous aide à aller à la dimension de la révélation. Que chacun d'entre nous perçoive par révélation ce à quoi Dieu nous appelle. Ah ouais. Je te dis la vérité, il te faut une révélation. Une révélation. Ce à quoi Dieu t'appelle. Si tu n'as pas cette lumière intérieure, tu poursuivras le néant. Il faille que tu saches ce à quoi Dieu t'appelle. Et que la satisfaction te soit accordée le jour où tu atteins le standard que tu as vu à l'intérieur de toi. C'est ça l'excellence. Poursuivre ces ombres
apparemment abstraite, mais dont dans l'imaginaire mental, nous avons les couleurs du concret. Ça paraît abstrait, mais nous savons ce que c'est. Alors nous poursuivons cela. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on recherche. Pendant que tout le monde acclame à l'extérieur, tu dis non, je dois aller encore plus loin, je dois aller plus loin. Faut pas te séduire par le fait d'être à l'église. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Élève ta voix vers le trône de la grâce et parle à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton homme intérieur? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton homme intérieur? Quels sont les rêves que Dieu t'a imputé? Quelles sont les poursuites, les quêtes de ton être intérieur? Élève ta voix, prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, élève ta voix, prie le Seigneur. Laisse-moi, aide-moi à poursuivre ces rêves-là. Par ta grâce, au nom suprême de Jésus, élève ta voix, prie le Seigneur. Parle à Dieu, que ta vie soit productive. Il t'a recréé en Christ pour les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Déclare par la foi sur ta vie que tu pratiqueras ces œuvres. Tu accompliras les responsabilités que le ciel t'a assignées sur le soleil. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus. Pendant que nous sommes dans sa sublime présence, est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui dit homme de Dieu, j'ai entendu la parole, je suis tellement touché que je veux faire la paix avec Jésus, je veux naître de nouveau, lève ta main droite, je vais prier avec toi. Tu dis, je veux me réconcilier avec mon Créateur, je veux porter la robe royale, je veux être appelé enfant de Dieu par Dieu. Lève ta main droite, je veux prier avec toi. Lève ta main droite. Tu es là ce matin, tu dis, je veux me réconcilier à Dieu. Eh bien, s'il y a une personne, avance devant l'autel, je voudrais, s'il y a une seule personne, acclamons encore le Seigneur pour ces personnes. Oh, Yeshua, Yeshua. Continue d'acclamer le Seigneur pour sa bonté. Il y a une personne parmi nous, elle n'est pas ici devant, mais il y a tellement de tristesse dans ton âme et tu ne connais pas la joie de Dieu, tu es triste. Les choses que tu as vécues par le passé, vraiment c'est comme un poids dans ton cœur. Il y a des moments où tu as des petites fenêtres comme ça où tu te sens bien, mais après tu replonges dans la tristesse. Le Seigneur veut de sortir de là définitivement et répandre dans ton cœur la joie qui vient d'en haut. Avance devant l'autel, je vais prier avec toi. Viens devant l'autel, je vais prier avec toi. Que le Seigneur bénisse ton âme pour l'obéissance. Merci Seigneur pour ta fidélité.
Je vois dans l'esprit rêve brisé. Eh bien, la poursuite des rêves brisés, ébranlés. Tu avais des rêves, mais ils ont été totalement brisés. Tu as été totalement abattu. Et la personne de qui je parle a même a eu des pensées suicidaires. En certains moments, tu t'es dit, ça ne vaut plus la peine pour moi de vivre. Mais aujourd'hui, Dieu t'a envoyé ici à dessein. Et je veux te dire que la puissance de la résurrection ramènera à manifestation ses rêves. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu es à ta place, avance devant l'autel rapidement. Avance devant l'autel. Il n'est pas tard. Je vois une autre personne dans l'esprit. Viens, tourne-toi. Essaie d'avancer. On te retient à l'arrière. Et chaque fois que tu poses un pas, tu sens une forte résistance, comme si on te tirait par derrière. Tu le ressens, comme je t'ai dit, tu le ressens comme des forces qui te tirent en arrière. Et souvent, tu n'as même plus la force de lutter. Tu as tellement d'idées, il y a des moments où comme si on te tire en arrière et ça te plonge continuellement dans le découragement. Viens devant l'autel, je vais prier avec toi. Viens faire la paix avec Jésus. Viens faire la paix avec le Seigneur. Viens faire la paix avec le Seigneur. Je vais prier avec toi. Viens devant l'autel. Lève ta main droite vers le ciel ici devant. Lève ta main droite. Répète après moi ces paroles de tout ton cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole de Dieu. Mon cœur a été touché. Humblement, je viens faire la paix avec toi, mon Créateur. Au nom de Jésus, j'accepte le salut par substitution. Je reconnais que Jésus a pris ma place. Jésus a payé le prix de sa vie à la croix pour ma vie. C'est pourquoi, de tout mon être, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à la vérité. Change mon cœur. Donne-moi un cœur de chair, un cœur nouveau. Change ma vie. Père, merci de te glorifier au travers de moi sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Moi, je déclare ta vie sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, que tu es libéré de toute forme d'oppression satanique et diabolique. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'alliance avec le diable. Tu n'as plus d'alliance avec l'enfer. Que Dieu restaure ton aide. Tu redonnes la joie. Tu redonnes la paix. Te donne de l'espérance, te redonne de l'énergie, te donne la vie divine, t'accorde le pouvoir d'en haut, dans le nom suprême de Jésus, et que ta vie témoigne éloquemment de la victoire de la croix sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Reçois cette fiche, s'il te plaît. Reçois-la avant d'aller à ta place. Si tu l'as reçue, tu peux aller à ta place. Remplis-la. Tout à l'heure, j'en aurai besoin. Remplis cette fiche et garde-la par devant toi. Acclamons le Seigneur pour nos frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada.